célébrer l'Afrique. Soyez les nôtres. Événement COCANE 2021. En arrivant ici ce soir, j'étais un peu inquiet. À l'entrée, quelqu'un m'a dit « ne sont pas tous là ». Je ne vais pas vous faire l'injure de faire l'appel, mais je regarde, ils sont tous là. En particulier un, Mwele Kombi, Narcisse, qui cette semaine, vous l'avez vu comme moi, hein, s'est baladé un peu partout, il était inarrêtable. Je vois qu'il a troqué ses bottes avec des jolis souliers, le casque est rangé. Monsieur le ministre, ça ne fait que commencer. On vous souhaite d'avoir l'énergie nécessaire. On n'en doute pas d'ailleurs, vous êtes un grand sportif. Nous sommes sûrs que vous conduirez tout le comité jusqu'à la ligne d'arrivée qui est située au 6 février 2022. Vous pouvez applaudir pour le ministre Narcisse Mwele Kombi. Après avoir consenti à d'immenses investissements, comme rarement un pays africain a pu le faire en pareille circonstance, le Cameroun est prêt. Oui, le Cameroun est prêt, mesdames, messieurs. Le Cameroun, désormais terre d'accueil de grands rendez-vous sportifs, attend l'Afrique pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un parfum de Cannes que nous vous offrons ce soir. Bienvenue à la cérémonie de présentation des œuvres issues des concours artistiques nationaux, de l'hymne et de la mascotte officielle de la CAN Total Cameroun 2021. Nous allons passer les 120 prochaines minutes ensemble. And I'm not alone. I am here with Diane Gassa. Diane, where are you? I was afraid also. Non, okay, you are there, you are there. Please come and join me, Diane. Juste le temps pour moi de grimper ces quelques marches et je serai juste à tes côtés. Voilà, vous êtes arrivée. Voilà. Vous avez bien tenu votre robe. Ah vous oui, êtes parce hyper que hyper élégante ce soir. Ah merci, Valérie. You too, you're so elegant. J'avais peur de ne pas être à la hauteur d'une si belle tenue. Oh là là, no risk, Valérie. Permit me now, Valérie. Yes. Say hello to all those gathered here and those watching at home. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear viewers from Cameroon and beyond, good evening and welcome to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. As Valérie just said, we have gathered this evening for a very important event. Yes, we did this some time ago. It's not the first time Cameroon will be hosting this competition. Some of you may be thinking it's the first. No, Valérie, the first was in 1972. Il y a 49 ans. Yes. A long time. Oui, et ce soir, il y a des surprises. Hein? Many surprises. Oui, you asked me to come give a rundown of what we'll be having. Quel est le programme, Diane? And the program tonight, ladies and gentlemen, we'll be talking about some of the victories of the indomitable Lions of Cameroon as far as the AFCON is concerned. Remember, the very first time we lifted the trophy was in Abidjan, Côte d'Ivoire. That was in 1984. And then the head of state, the president of the republic, came up with this beautiful statement. I know most of you know it, but maybe you do not know when it came from. That was, un seul mot, continuer. You all know it, right? Mm. Great. And of course, after this, the Indomitable Lions of Cameroon continued with the victories. So we'll have some of these victories in the videos. But also, we shall be having a word from the president of the local organizing committee of the COCAN 2021, Valérie, of course, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. Another very interesting moment this evening, ladies and gentlemen, dear viewers,
We will be presenting to you some icons of football. You know, when you talk about Cameroon in the world, for those of you who've happened to travel around, the first thing they'll tell you, Cameroon football. So these legends, you will see of watching them tonight. But also, you know, why we are gathered here, Valerie, is to unveil the mascot and the anthem for this competition. But we should remind our viewers and those present here that it is only after CAF must have validated, accepted, or approved that what we will have tonight as the mascot and anthem will be officially presented to Cameroonians as what will be used in the upcoming event. Nous choisirons des propositions à faire à la CAF ce soir. Nous ne choisissons pas l'hymne définitif. Nous choisissons une proposition qui va être soumise à la CAF. Et après approbation de la CAF, nous aurons donc la mascotte et l'hymne de cette compétition. Et Diane vient de vous le dire, mesdames, messieurs, le menu est alléchant. Pour commencer, voici l'histoire d'un homme, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, et de sa relation avec les Lions Indomptables. Diane. Definitely, it's the first video we are proposing tonight. Watch and enjoy, talking about the victories of the President of the Republic and the Indomitable Lions of Cameroon. I told you he started in Abidjan in 1984, and then the very last was just next door in Gabon, that was in 2017. Let's watch the video, and when we come back, we continue. L'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, développe avec la Coupe d'Afrique des Nations CAN une véritable passion. Depuis l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, ils écrivent leur plus belle lettre d'histoire du football. Première CAN remportée en 1984 à Abidjan. Là. Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Mila, Abega. Abega reçoit l'accolade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Un seul mot, continuez. On avait un chef de l'État qui venait d'arriver, que nous ne connaissions pas, et c'était pour nous vraiment une joie de pouvoir l'accueillir par une Coupe d'Afrique des Nations. Malgré la défaite en Égypte en 1986 face à l'Égypte, les Lions reviennent sur la sellette à Rabat au Maroc en 1988. Ils se hissent sur la première marche du podium. Roger Mila qui passe un défenseur, essaye de se placer pour tirer. Il est fauché en plein cadre. C'est un penalty. Emmanuel Koundé avance, tire et marque. Premier pour le Cameroun, Emmanuel Koundé. Great, great penalty. Mesdames et messieurs, c'est l'instant solennel ici. Dans quelques instants, le prince héritier, voilà, c'est fait, il remet la coupe à Roger Mila. Et voilà, le Cameroun remporte la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 13 février 2000, c'est l'apothéose. Les Lions confirment leur suprématie africaine, dominant les Super Eagles dans leur fief surchauffé du Surulere Stadium à Lagos au Nigeria. Biya salue l'exploit. Vous êtes allé au-delà de nos espoirs en remportant cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la première des années 2000 qui restera dans les mémoires. CAN 2002 au Mali, bis repetita pour les Lions. La Dream Team est au sommet de son art avec des joueurs d'exception. Quatrième couronne continentale.
C'est lance. Le Cameroun est champion. Le Cameroun vient de gagner son quatrième titre en Coupe d'Afrique des Nations. Ce titre, vous l'avez remporté de fort brillante manière. Meilleure défense, aucun but encaissé. Meilleure attaque, 9 buts marqués. Que demander de plus? Libreville 2017, après un passage à vide de 15 ans, les Lions sont de retour de la plus belle des manières. Victoire sans bavure. Le signe indien est brisé face au pharaon d'Égypte. La reprise. Oh, c'est le but! Oh, quel but! Passeur Aboubakar qui va donner juste avant le temps additionnel la coupe au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 est à eux. 5 fois champion d'Afrique, les Lions sont aussi au Cameroun, les symboles forts de l'unité nationale. Vous êtes un bloc solide comme un roc. Vous avez du talent. Vous aimez votre pays et êtes prêt à vous sacrifier pour lui. C'est ça qui a fait la différence. Un boom infrastructurel a doté le Cameroun de stades ultramodernes pour la CAN 2021. Paul Biya en est l'architecte. Je voulais remercier en personne le président Biya pour ses engagements, pour ses investissements, pour les jeunes, pour le football dans ce pays. Aussi en vue évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. De la sélection mondiale. Merci. C'est un transfert qui nous coûtera cher, mais... Merci. Fiers de leur équipe nationale, les Camerounais se passionnent pour la CAN. On ne gagne jamais le lion, je ne crois pas qu'il y ait un animal plus fort que le lion. Images there, and they just make us dream even more. And you know, in a short while, Valerie and myself will be giving you some modalities, because you watching at home and even those present here, you'll be called upon to vote for the theme song and the mascot for this competition. But that will not be now. You know, you'll start voting as from 9:30 or so. But right now, what we have to do, I was announcing him at the start of the program, the special program. The president of the local organizing committee, the minister of sport and physical education of Cameroon, Professor Narcisse Moelekombi. We will be receiving him here, ladies and gentlemen. A round of applause for him as he comes to give a speech on this very important evening. Good evening, sir. Excellence, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Éminence, Honorable, Majesté, chers Lions indomptables, distinguées personnalités en vos grades, titres, rangs et qualités respectifs,
Du 9 janvier au 6 février 2022, le Cameroun a rendez-vous avec l'histoire. L'histoire, celle du sport. Notre pays sera alors le centre de gravité et d'attractivité du football international. Cela à la faveur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Cameroun 2021, la CAN, la plus prestigieuse des compétitions sportives continentales africaines. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, la voudrait une prodigieuse offrande du pays des lions indomptables à la jeunesse africaine. Et aussi, une belle vitrine d'exposition de ses trésors de beauté et de diversité. Un miroir de l'ingéniosité et de la générosité des Camerounais. Alors, à travers ces offres de prédilection en matière de délectation et de vibration, le Cameroun, notre patrie qui est belle parce que plurielle et multiculturelle, s'affirmera, s'affichera davantage comme un foyer ardent de la fraternité, de l'hospitalité et de la convivialité africaine. Le chef de l'État voudrait cet événement festif et jubilatoire. Il le voudrait un moment de rassemblement et d'enchantement, pourquoi pas d'émerveillement. Cela dans le cadre de magnifiques et futuristes infrastructures sportives implantées aux quatre grandes aires culturelles de notre pays. Des infrastructures construites ou réhabilitées sous sa très haute impulsion et dont la plupart, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dion Gouté, président du Comip CAN, ont servi de cadre à l'organisation heureuse de la 6e édition du CHAN du 16 janvier au 7 février dernier. À l'instar du flamboyant joyau architectural de Japoma. À l'exemple aussi du gigantesque complexe sportif d'Olembe en finition qui, le moment venu, sera exemplaire et unique en son genre en Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, dans la mémoire et la trajectoire des grands événements sportifs internationaux, à l'instar de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, de l'Euro et j'en passe, les identifiants sonores et graphiques, visuels et harmoniques sont emblématiques. Emblématiques comme porte-bonheur, emblématiques des espérances, en l'occurrence celles du peuple camerounais qui espère tant en la victoire des Lions indomptables en cette 33e édition de la CAN. Emblématique de la marque que ces événements entendent laisser dans l'imaginaire des hommes et des femmes, des collectivités et des communautés, des peuples et des nations, en un mot, de l'humanité. Il s'agit d'impacter les consciences autour d'idéaux de paix et de partage à travers l'iconographie et la mélodie, à travers des emblèmes émanant du cœur, inspiration de l'esprit et générateur d'émotions. Nous voulons singulièrement évoquer la mascotte et l'hymne officiel de circonstance. Pour la CAN Total Cameroun 2021, le COCAN a lancé deux grands concours artistiques nationaux en vue de la sélection de ces emblèmes. Dans cette optique, 35 offres de mascottes et 100 propositions d'hymnes
ont été enregistrés. Les jurys, présidés par d'éminentes personnalités, le professeur Jean Tabi Manga, ancien recteur d'université et directeur général du Centre africain d'études olympiques, et le professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CERF de Tola et vice-président du Conseil international de la musique de l'UNESCO, les jurys, composés d'experts à la réputation professionnelle et à la notoriété et à l'autorité établie, ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs jours. À l'issue de leur délibération, ils ont sélectionné les trois meilleures œuvres par catégorie et les ont classées par ordre de mérite. C'est au dévoilement de ces œuvres que nous allons assister ce soir, à l'effet d'identifier tant la mascotte, dont le nom de baptême proposé, suggéré, sera Mola. Mola, successeur de Tara Duchan. L'hymne également, qui seront subséquemment proposés à la CAF pour validation et homologation. La CAF, dont une délégation vient de séjourner au Cameroun cette semaine pour la préparation de la cérémonie de tirage au sort de la CAN Total Cameroun, programmée le 25 juin à Yaoundé. La CAF, dont une importante mission de visite de nos infrastructures sportives, hôtelières et autres, dédiée à la CAN, à Bafoussam et dans les villes périphériques, à Douala, à Garoua, à Limbé-Bouéa et Yaoundé, est attendue dans les tout prochains jours. Je terminerai mon propos par des remerciements en guise de témoignage d'hommage et de gratitude. L'hommage est celui très révérencieux et déférent du COCAN au président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui n'a de cesse de soutenir les activités du COCAN en vue d'une organisation réussie de la CAN Total Cameroun 2021, comme ce fut déjà le cas avec le CHAN Cameroun 2020. Notre gratitude va principalement à la CRTV. La CRTV, sous le leadership de son directeur général, M. Charles Ndongo, qui nous a accompagnés dans l'organisation du présent événement et qui en assure la retransmission en direct. Nous sommes particulièrement émus, oui, vraiment émus, par la présence des anciens Lions Indomptables, ces légendes vivantes, ces icônes, qui ont fait l'épopée tantôt glorieuse et victorieuse, mais toujours lumineuse, de notre sélection nationale de football dans diverses éditions de la CAN, comme l'a révélé la vidéo que nous venions de voir tout à l'heure. Ces joueurs de renom que j'aperçois du haut de cette tribune ont bien voulu accepter notre invitation et nous sommes particulièrement honorés et ravis de leur présence autant symbolique qu'illustre en ce papouasi. Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des membres du comité d'organisation, des membres des jurys de sélection, des artistes et aussi du grand public qui portera sa part à l'évaluation et au classement final des œuvres en compétition. Quel bonheur d'être ensemble ce soir. Wole Soyinka disait « Le colibri ne porte que ses ailes, mais ses ailes le portent. » Merci de porter nos espérances ce soir avec vous. Merci.
Ce sont là quelques images qui ont marqué le CHAN 2020 que vous avez pu vivre en direct sur les antennes de la CRTV et parfois en étant présent dans toutes les arènes sportives qui vous ont accueillis pour cette compétition-là. Nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet, à savoir la participation de chacun d'entre vous ici dans la salle, mais également ceux qui nous regardent, qui pourront participer au vote pour compléter le travail qui a déjà été effectué par les membres du jury. Le ministre Moulay Kombi vous en a parlé tout à l'heure, en présentant d'ailleurs les deux éminents présidents de ces jurys, le professeur Jean Tabi Manga et le professeur Charles Binam Bikoy. Nous allons leur donner la parole tout à l'heure. Mais comment faire pour participer? Nous allons vous donner le top. Mais en attendant, pour qu'on soit tous au même niveau d'information, il faudrait que vous sachiez comment procéder. Exactly what to do. Alors, pour voter par Internet, des images d'ailleurs vont nous accompagner dans cette explication, vous avez deux sites Internet. Un premier, qui est celui du COCAN, www.cocan2021.com, ou alors le site du ministère des Sports, www.mincep.com. Mais vous pouvez également participer par les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du COCAN. Alors, cette page est intitulée en majuscule COCAN 20-21. Alors, lorsque vous accédez à l'une de ces plateformes, vous avez un formulaire qui est disponible sur ces pages. Vous pouvez, à ce moment-là, réécouter les hymnes, visualiser les mascottes et faire vos choix. Et lorsque vous avez fait cela, vous pouvez donc maintenant valider votre vote en cliquant sur le bouton vert « Envoyer » et vous allez recevoir un message de confirmation, de prise en compte de votre vote. Pour que cela soit clair pour tout le monde, you have to say something in English. Definitely, I have to say it in the Queen's language for everybody watching or in here to be able to vote. I'm talking about the public. And so via the internet, you can go to the COCAN website, www.cocan2021.cm, or on the MINSEP, that's the Ministry of Sport and Physical Education website, www.minsep.cm. And then via social media, that's also possible to cast your votes there. You can go to the Facebook page, COCAN, Caps Lock, 2021. And as we are speaking, you can get more details on your screens there explaining exactly how the process should be done. And then the next step, once on the website, fill out the form for that appears when you open. Re-listen to each theme song, then select the one you like best. Then view each of the mascots and also select your best choice. The next and final step, click at the green button, send, at the bottom of the form. You will then receive a message confirming your participation. I think it's very clear, and now the public will just wait for that moment because you can't start voting now. We will give on you... Va vous donner le top. Definitely. On va vous donner le top. We'll tell you exactly pour when you have qui to sont start voting. Ici dans la salle, vous pouvez regarder à ma droite, hein, l'équipe qui est déjà en place pour recueillir tous les votes. Vous qui êtes dans la salle, vous avez vos téléphones, vous pouvez le faire. Vous qui nous regardez à partir de la maison, vous pouvez également participer. Et nous allons commencer tout de suite. Écoutez les trois hymnes qui ont été retenus par le jury. Écoutez attentivement et on se retrouve dans quelques instants. Africa, diabolique. La trompette a sonné, maman Africa, appelle ses enfants.
to the south, from east to west, to the North Africa. We welcome you, we love you, we thank you, we invite you. Bienvenue au Cameroun, I am there. Célébrons l'avenir de l'Afrique, de tous ces pays. Célébrons la jeunesse, le football qui nous unit. On a le corps et le savoir. Enough to shine like a star. Strong as a rock, ensemble on est plus fort. Libre comme l'air, on entre dans l'arène. Together to be one, with different cultures.
from north to south, from east to west, without a land, we gonna shine. Force et courage, ça va payer. Force et courage, on va gagner. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a tout de vous. Allez, allez, on a tout de vous. Jouez, jouez, on a
Wow, those were the three theme songs in competition. Thank you so much for encouraging. And I'm sure those watching at home, or even some of you here, may be wondering why we didn't reveal the artist or their names right now. It's just because we do not want to influence your votes. You know, you'll be voting any moment from now. So that's why we decided to come with the audios at this point. But rest assured, they will be performing before the end of the evening. And right now, Valérie, we shall be talking about the mascots. On est maintenant à la seconde partie de cette présentation. Vous avez écouté les musiques et maintenant vous allez découvrir les mascottes. Il y en a trois, comme les trois hymnes qu'on vous a proposés. Alors, le ministre vient de vous le dire, hein, la mascotte va s'appeler Mola. Ça ne se discute plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui portera ce nom-là? Quelle est la mascotte? Quel est le choix que vous allez faire? Le jury vous propose donc les trois choix suivants. Nous allons commencer à regarder sur les écrans la première mascotte proposée. Là également, on ne vous dit pas qui en est l'auteur. No. C'est donc là la première mascotte. Vous savez, les mascottes ont démarré dans la Coupe d'Afrique des Nations en 1992, hein, mm-hmm. à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. On se souvient de Diambar. C'était yes. Diambar, la toute première mascotte pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà that's le premier Mola. Yeah, that's the first one. And still to talk about, while you have the images running, still to talk about the history of mascots and the AFCON. I remember the last one hosted in Egypt, Valérie. That was in 2019. And the mascot was Toot, you remember? And so this is the other mascot we mascot have. X. So there are three of them, you see yeah. them. X, Y et Z. Mais là, nous sommes à X. Yes. Donc la toute première proposition, regardez bien cette mascotte et faites votre choix, peut-être. Proudly wearing our colors, the green, the red and the yellow. And now, they tell us it's the second mascot you have on your screens mascot now. Mascot Y, mascot Y. Mola numéro 2. They're all wearing national colors, and we're kind of used to, you know, we're talking about the lion, the indomitable lions, and when you talk about our national teams, they're being referred to as the lions. So, okay, the first and the second, we have them already. Mascotte Y qui vous est présentée en ce moment, qui elle aussi s'appelle Mola. Mola, comme toutes les trois d'ailleurs, hein, vont porter ce nom-là. On va s'habituer à Mola. Et tout à l'heure d'ailleurs, on va vous raconter un peu d'où vient cette appellation Mola. What it means. Exactement. Et puis vous savez, hein, quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on le rencontre pour la première fois, parfois on va le désigner par Mola. Yeah, we know that here in Cameroon, it's quite convivial. On est tous frères. Mascotte numéro 3, mascotte Z. Okay, this is the third mascot. I think they have one thing in common, Valérie. Look at the outfits. It's the green, the red, and the yellow. So you have to be very careful when you want to pick your choice. If you want to make your choice, look at them keenly because they are all almost dressed the same way. They all look alike. But they have some slight, very slight differences, so... Effectivement, vous découvrez donc toutes ces trois mascottes. Votre choix sera fait dans quelques instants. Nous allons vous annoncer d'ailleurs que au terme de l'écoute des différents hymnes que nous vous avons proposés il y a quelques instants, et maintenant, au terme de la présentation X, Y et Z, vous allez pouvoir, mesdames, messieurs, procéder au vote. Et nous vous le rappelons, pour voter, vous allez sur les sites internet qu'on vous a indiqué tout à l'heure, yes. mais également sur la page Facebook du comité d'organisation media. Du COCAN, et vous pouvez participer et votre vote sera pris en compte. Vous avez 20 minutes pour le faire et c'est à partir de maintenant. Now, so you can start c'est à partir voting. De maintenant. Vous pouvez commencer à voter. On commence à enregistrer tous les votes et nous reviendrons. Vous avez 20 minutes pour le faire. Hein. Nous reviendrons tout à l'heure
pour les résultats. Don't wait the end of the show to cast your vote. You have to do it now. It starts now and you have 20 minutes. They've started counting there. And, vous allez réécouter tranquillement les hymnes. Mm-hmm. Vous allez regarder tranquillement et attentivement les mascottes. Yes. Et vous allez pouvoir effectuer les choix qui seront pris en compte et qui seront révélés tout à l'heure. Mais en attendant que nous puissions arriver à ce moment important de notre soirée, nous allons vous parler un peu d'histoire et surtout des coulisses. Vous savez, quand l'équipe nationale se déplace pour aller jouer, ils vont souvent à la conquête à l'extérieur du Cameroun, et ce n'est pas toujours évident. Parfois, on les accueille pas toujours amicalement, et c'est parfois aussi difficile, mais... nos joueurs ont de la ressource. Il y a quelques petites histoires que nous allons partager avec vous. Very interesting anecdote. I want you to watch and listen keenly. And also, when you are a new player into the national team, something happens. Let's not let the cat out of the bag. Let's go there and let them watch the video. Allons à la découverte des coulisses de la CAN et on se retrouve dans quelques instants, mesdames, messieurs. Retiendra davantage que c'est une coupe qu'on a perdue dans les vestiaires. Nous avons plutôt versé des larmes qui auraient pu être des larmes de joie, mais qui étaient des larmes de déception. Au moment des hymnes, le joueur qui était le plus proche de moi, comme assez souvent d'ailleurs, c'était François Doumbélé, qui me dit à l'oreille, Jojo, aujourd'hui, si tu as la magie, il faut la sortir. Je lui ai dit, il faut dire que j'ai toujours été un joueur très psychologue. Donc j'ai bien compris, je n'ai pas dit que je n'ai pas la magie, puisque la confiance qu'ils avaient en moi, justement, faisait que j'avais démontré que dans tous les stades où on pouvait aller, je devais entrer dans le vestiaire le premier, parce que si les adversaires avaient fait quelque chose, j'avais le pouvoir d'anéantir tout ça. Donc, et ce jour-là, en entrant dans le vestiaire précisément, il y avait des œufs partout. J'entre sans peur et eux derrière savent que ces œufs-là ne nous feront rien. Évidemment, ces œufs n'allaient rien nous faire parce que les Ivoiriens, qui ont démarré très très fort avec Youssouf Fofana, ont tiré, je crois, une fois sur le poteau, une fois sur la barre, avant que nos têtes ne se remettent en place. Mais bon, tout le monde savait qu'il y a Jojo, donc rien ne peut nous arriver. En 86 en Égypte, nous étions 5 à 6 joueurs, je crois que c'était même une transition entre deux générations. Nous avions encore les Aoudou Ibrahim dans cette équipe, Sinkot Isaac, Bidarantes, Abega Théophile. Donc vous voyez, ce beau monde ne pouvait vraiment pas tout de suite accepter que les nouveaux qui arrivent ne payent pas la taxe liée à la prime de participation à la compétition. Alors le ministre qui était au courant de cette affaire a eu des astuces. Nous, on s'attendait en sorte que notre prime soit coupée, et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le ministre lui-même est passé de chambre en chambre, donner la prime à chaque joueur. Mais néanmoins, nous avons pensé à nos grands frères en disant, bon non, même si ça prend fin, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Alors nous avons décidé chacun d'enlever 100 000 francs dans sa prime pour donner une dotation à nos grands frères, ce qui a été accepté par des applaudissements. On a voyagé dans le vol communément appelé Caribou, où on était assis sur les cartons de Tanguy. Monter déjà dans cet avion, c'était un signe. C'est pas un signe de pauvreté, mais c'est un signe de dignes soldats qui se déplacent pour représenter leur pays, leur patrie, défendre valablement. Et ces couleurs-là, pour nous, étaient très chères. L'avion militaire qu'on prend de Yaoundé, et on part vraiment en guerre comme des soldats. Et nous sommes logés dans un hôtel, je vais dire 2 étoiles, parce que c'était, je crois, une école où, je me rappelle, quand on ouvrait le frigo, il y avait un à l'intérieur. À Sikasso, au Mali, on s'est retrouvés dans des villas où il y avait des lits sans matelas, des lits sans traverse, des frigos qui n'avaient pas de cap,
d'alimentation. On avait un bus qu'on partageait avec l'équipe nationale togolaise. Quand on allait à l'entraînement, il y avait de la poussière qui rentrait, tellement il y avait des ouvertures. C'est tout ça qui nous a fait vraiment être soudés tous ensemble. Le départ en avion militaire, arriver, les conditions n'étaient pas si bonnes que ça quand on voit les conditions aujourd'hui que tous les footballeurs ont. La première dame qui nous a envoyé un chef cuisinier. Donc on se sentait au Cameroun, mais à l'extérieur. Et on a l'effectif des joueurs de gros calibre, comme le feu Macron, Samuel Eto'o, Jérémy Dita, Perigo Besson, Patrick Mboma, Lorraine, Jacques Songo, qui était un aîné à Limpopo. Même ces gens d'un statut assez élevé n'ont en aucun moment pensé à passer autre. Donc c'était concentration maximale et penser à ce pourquoi nous sommes là. Et nous sommes rentrés avec le trophée. Comme quoi, quand on veut, on peut. Il suffit d'être unis, soudés et forts. Le ministre des Sports vous parlait tout à l'heure d'un moment d'émotion, d'un moment important dans cette soirée que nous vivons avec vous ce soir, à laquelle nous espérons vous participer avec beaucoup d'enthousiasme. Mesdames, Messieurs, en 1972, il n'y avait pas la télé. Vous entendiez les noms à la radio et vous ne saviez peut-être pas quels sont les visages qu'il y avait derrière les noms que vous entendiez. Et ce soir, vous avez l'occasion de découvrir quelques visages. Il y a 50 ans, ils étaient sur le terrain et là, ils sont encore vivants et ils vont nous faire l'honneur de se présenter à vous ce soir, Diane. I think it's a privilege, Valerie. You know, these great names, most of the youngsters listen to or have just heard about. You will be able to place an image on each name, and it's the moment, one of these highly awaited moments this evening, as we announced at the start of the program that we will be introducing some of our icons, those that have made Cameroon, like lifted the flag really up there, made Cameroon known worldwide, made Cameroon a very unique country as far as football is concerned. Valerie, we have a list of them. They are really not all, but these are the few we could get for our viewers and our guests this evening. C'est un moment important, c'est un moment de joie. Vous allez participer parce qu'il faudra les ovationner. Ils ont porté très haut le nom du Cameroun à travers le monde entier. Commençons par recevoir ici même ce soir Agbo Hans. Agbo Hans, sous vos ovations, mesdames, messieurs. Vous vous en souvenez, le latéral, personne ne passait. Et vous vous souvenez de ses centres en retrait, Agbo Hans. At the next, we have Akono Jean-Paul. Akono Jean-Paul. Can we give them Magnusson, le champion olympique. Et vous voyez, oh, yes, malgré la difficulté à se déplacer, il est là ce soir. Bien vouloir ovationner ce grand homme Jean qui a porté Akono. Alioune Boukar. Alioune Boukar. We talk about an iconic goalkeeper. I remember Alioune Boukar. Grand gardien de but. Vous vous en souvenez? Mesdames, messieurs, bien vouloir recevoir ces gens avec Aloudji. Nicolas is the next. Nicolas Aloudji. Let's give them a strong round of applause. They deserve it. They deserve Nicolas it. Nicolas Aloudji. Ama Pierre. Ama Pierre. We have different generations, you understand?
And after Mapierre, we have Angibo. Angibo. Ils sont tous là ce soir, mesdames, messieurs, pour They vous. All came just for you. It's a historic moment, I think, as well. Le psychologue, celui qui n'a peur de rien, Joseph Bel-Antoine. And I just like the anecdote I heard a while ago when he was talking about people thinking he had some supernatural powers. Bekombo, Kwedi, François. And after Bekombo, Kwedi, François, we have Jean-Kep Bonaventure. Bonaventure, Jean-Kep. Dumbelea. Ebwele Ndinge Bertin is the next. Bertin Ebwele. Eugène Ekoulé. Joseph Enanga. Enoka Edmond. Et Bente Maurice. Et Sono Mbaladeko. Karam Michel. Koundé Emmanuel Jérôme. Emmanuel Koundé. Lewono Joseph. Libby Thomas, I'll call him Thomas Libby. They are all here with us tonight. Thomas Libby. Mabon Kessak. Makoun Jean II. I've told you we have different generations of icons. Jean II Makoun. Sergent Makoun. Adalbert Mangamba. Bengalak Bernard. Boyon, bienvenue. And of course, Mila Roger Albert. Roger Mila. We told you it would be a great moment. Missé, Missé Jean-Jacques. Motassier Jean. Jean Motassi. Mougam Dagobert. And this one too, Vé Emmanuel. Vé Emmanuel. At one point of the national team. Deep Akem Victor. Akem Victor Deep. Ngeya Enonge Jacques. Jacques Ngeya. Olé, olé, Bertin. Oman Biyik François. François Oman Biyik. Le public est heureux. Yes. Un autre gardien de but. On grandit Vincent. Owona Pascal Bailon. Pascal Bailon Owona. Un ancien. Un vétéran. Jean-Claude Pagal. Jean-Claude Pagal. They are all here just for you, ladies and gentlemen. Simon Apollin. Apollin Simon. Ah, Sombaranac Rigobert. Rigobert Sombaranac. Mania. Château Bill. Womelen Pierre. Pierre Womelen. Oh yes, they are all here. Our legends, our icons, these great guys. Jules Denis Onana. Yes, and Jules Denis. Jules Denis va nous rejoindre will... sur scène la scène. Jules Denis will meet us up here. Jules Denis Onana vous rejoint sur la scène. He will be your spokesman tonight. Mesdames, messieurs, les Lions Indomptables, toutes générations confondues, sous vos ovations encore, s'il vous plaît. C'est les moments qui ont écrit l'histoire du football, qui ont porté haut les couleurs nationales. Grâce à ces gens, grâce à eux, on parle du Cameroun partout dans le monde. On reconnaît le Cameroun pour ses grandes valeurs footballistiques. Et voici leur porte-parole, Jules Denis Onana, qui a un mot à dire à l'endroit de leur jeune frère, Jules Denis.
Monsieur le président du COCAN, messieurs les ambassadeurs, excellences, messieurs les ministres, monsieur le gouverneur, leur majesté, honorables invités en vos rangs et grades respectifs, distinguished guests, on the behalf of all the former international football players and Indomitable Lions, those around me here, and those who could not make the trip to Yaoundé to attend the ceremony, I would like to express the joy to be here, standing on this podium. It's such an amazing night for Cameroon football to have on the same stage all generations of international players from the 70s to the current period of time. To recall players people surely know by name but never met before. As a child, I could never believe in my wildest dreams to stand on the same stage with all those iconic players. I'm so proud tonight to stand here among those wonderful individuals, trendsetters of Cameroon glory. It has to start one day, and it started in Cameroon in the early 60s. Football was just a game. It could be played everywhere. At certain time, to have a proper pair of shoes was something very special, but the pleasure of the game was greater than the wounds you got playing bare feet. The pleasure became passion and then dedication. At times, the playing conditions were not that good, but a few of us fought to the best and opened the way to future successes. Winning was not that easy at the beginning, but after trying hard, we did win. We were once Cameroon footballers, then international players, playing for the country with full dedication. But it was so hard to win title in Africa. We worked hard, and we became the Indomitable Lions of Cameroon, the King Crowned Lions of Africa. Winning is a never-ending quest. We found the gold after digging deep. Now, gray-haired, with shaky legs, we still have that lion's heart and the desire, the energy to win, to fight and win. Thanks to those who are standing here beside me, Cameroon has become an African football powerhouse. Each Cameroonian can find a reason to be proud when traveling abroad. We have earned respect for all our countrymen. And then we come to money. Money was not the X factor to improve our victories. Overall, the proud side of each Cameroonian was revealed when fighting for the national flag, whenever, wherever it was needed. Times have changed, but we do still believe that money should only be a reward, not the only motivator to fight for the country and bring joy to all countrymen. We are so proud to see many high-standard stadiums available now in Cameroon. We praise the Lord, as we are so grateful to His Excellency Paul Biya, the head of state, for the magnificent gift to the nation. We can now enjoy watching or playing football games in at least 10 world-class stadiums. This may push Cameroon to regain his position as the country of champions at club level and at national team level. We seize this opportunity, made possible by the Minister of Sport and Physical Education, thank you, to thank each and every one of you, Cameroonians, football lovers all over the world,
for the tremendous support you have shown to us when football was not considered as a job to earn one man's life with. We stand here tonight and we are so proud of the legacy. The brotherhood of the Indomitable Lions leads to unity and to togetherness. So many victories, so many trophies earned abroad. We could feel the joy and pride back home with glory. We could not win every battle, but at least we fought to war with pride. Playing at home is difficult, so difficult. But nothing is like winning a trophy in home soil. We are also here tonight to show our support to the current national team players to push them to the ultimate victory. After the African Championship a few months ago, the 2021 Cameroon AFCON will be the greatest ever organized in Africa. We are all behind Indomitable Lions. We wish them success. Il est important pour nous de vous assurer, Monsieur le Président Yekokan, de notre disponibilité à soutenir pleinement nos héritiers de la QV 2021 pour soulever le trophée de la CAN au soir du 6 février. Le développement de la mascotte et de l'hymne de la CAN Cameroun 2021 seront un signal fort car ils nous permettront d'avoir des éléments de ralliement pour porter haut les couleurs, nos couleurs lors de cet événement. Le village des Lions de la CAN sera érigé sur la place Chalatangana et servira de base arrière à tous les supporters de nos jeunes et vaillants Lions indomptables. Vive les Lions indomptables du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Long live Cameroon, thank you all for your kind attention. Thank you so much, Jules Denis Onana, the spokesman of the former Indomitable Lions. You won't go. We have to take a minute of silence, I was told, for those who have left you, us already. I think it's very important. A minute of silence for all those who have left us already. On se lève pour la minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Thank you so much. On va raccompagner nos icônes, nos légendes. On va les ovationner une fois de plus. Merci infiniment pour le travail merveilleux que vous avez fait pour le Cameroun. Et oui, vous méritez ça et plus encore d'ailleurs. Vous avez fait un travail merveilleux. Le Cameroun est reconnu partout à travers le monde comme une grande nation de football. Nous sommes tous fiers de vous. Merci infiniment. Merci. And Valerie will continue with the evening, with the show. What's next on the program? La soirée se poursuit, mesdames, messieurs. La soirée se poursuit et nous allons à présent découvrir quelles sont les 24 équipes qui ont rendez-vous en terre camerounaise à partir du 9 janvier 2022. Voici la découverte de chacune des équipes qualifiées. Et vous le savez, mesdames, messieurs, c'est la première édition à 24 équipes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est Baldwin Sama qui nous présente les 24 équipes qualifiées pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. They will be coming to Cameroon to defend their title as African champions, the FENEC of Algeria, after securing their second African title in 2019, will be hoping to reign supreme in Cameroon and keep the trophy. Another country to watch out for in Cameroon are the Teranga Lions of Senegal. One of West Africa's flag bearers, after losing at the 2019 final, Sadio Mane and his teammates are coming to Cameroon to wipe the wrongs of the past.
The Stallions of Burkina Faso will be at their 13th participation in the final phase of the Africa Cup of Nations after missing out on the 2019 edition, with the objective being to better their second spot occupied in 2013. Considered a football powerhouse in Africa, the Elephants of Côte d'Ivoire, after winning the trophy in 1992 and 2015, will be participating for the 25th time at the final phase of the competition with hopes of excelling. Another West Africa flag bearer, the Black Stars of Ghana, will be at their 24th appearance after winning the competition four times in 1962, 1965, 1978 and 1982, with Cameroon being another fertile ground for them. The Air Force to reckon with, the Sili National of Guinea, has what it takes to surprise many bookmakers in Cameroon and win the trophy for the very first time after their 1976 attempts. Their neighbors, Guinea-Bissau, may be an underdog in this competition as they will be at the fourth participation at the final phase of the competition, with the country's intention being to come to Cameroon and learn. Far from being a West Africa powerhouse, Mali, that has never won the Africa Cup of Nations before, will be at her 13th participation, and the Eagles of Mali are coming ready to set a major surprise. Some refer to them as a force to reckon with. The Super Eagles of Nigeria three times have been African champions. The last edition of the Africa Cup of Nations did not see the team succeed, and that is why Cameroon 2021 is seen as the golden opportunity for the Super Eagles of Nigeria to write a new page in their AFCON history book. Malawi will be participating for the third time at the final phase of this competition after ending as runners-up in Group B of the qualifiers, and after 1984 and 2010, the team sees 2022 as a lucky year. Sudan had enjoyed many participations in the Africa Cup of Nations in the 1950s, 1960s and 1970s, and this will be their ninth participation at the Africa Cup of Nations. With no success story to write home about, they are ready to excel while in Cameroon. They are considered one of the debutants in this competition. After dominating the qualifiers in Group D, the Gambia would be in Cameroon not just to learn, but to impose herself. Their debutant brothers, the Comoros Islands, will equally be watched out for after ending as runners-ups in Group J of the qualifiers. Gabon will be one of Central Africa's flag bearers at the final phase of the competition. Never have they lifted the trophy of the AFCON before. Gabon would benefit from Central Africa's hospitality to excel in Cameroon. A potential aspirant to the trophy, the Atlas Lions of Morocco, one of the best in Africa, will be at their 18th participation at the Africa Cup of Nations. After dominating their group during the qualifiers for the AFCON, Morocco is coming to Cameroon to win the trophy, just as they did during the African Nations Championship. After their maiden participation at the AFCON in 2019, Mauritania is returning to the AFCON, this time to better her performance. They are considered the Davids in a tussle of giants. Cape Verde, after 2013 and 2015, will be at her third participation in Cameroon next year. They have dominated African football for several years, winning the highest number of trophies. The Pharaohs of Egypt will be at their 25th participation at the final phase of this tournament and will want to impose their supremacy and win the trophy. The Warriors of Zimbabwe will be at their fifth participation after ending as runners-up from Group H of the qualifiers. Meanwhile, the Carthage Eagles of Tunisia, winners of Group I of the qualifiers, will be at the 20th participation of the competition. They are one of Central Africa's flag bearers, Equatorial Guinea. After 2012 and 2015 at home, they will be in Cameroon for a third time in the Africa Cup of Nations. After missing out in many editions of the Africa Cup of Nations, Ethiopia, for the 11th time, will be at the final phase of this tournament. And perhaps the host country, Cameroon, the Indomitable Lions, after winning the competition for the last time in 2017 in Gabon, will have to benefit from Central Africa's luck to win the competition this time at home.
Oh, that was so good. Thank you so much, Baldwin Sama. And just to announce to all our viewers and those in this prestigious sports complex that we have come to the end of the vote. So if you haven't been able to cast your vote up till now, sorry, that will be next time, Valérie. Le vote est terminé. Les responsables de notre plateforme multimédia qui reçoit les votes nous parle d'un peu plus de 1500 votes déjà enregistrés. Cela permettra qu'on puisse avoir une idée de vos choix et de vos souhaits pour cet hymne et cette mascotte de la CAN 2021, CAN Total Cameroun 2021. And we've talked about the 24 teams in competition, Valérie, and this means it's going to be a huge delegation, different delegations coming to our beautiful country, Cameroon. And there are different infrastructures to host the events, to host the guests coming. And in the video we are about to watch all together now, it's to see the different infrastructure we have, how beautiful we are, they are, and get the views of some Cameroonians on the infrastructure. Je suis trop fière. Je vais au stade depuis au moins 15 ans. Mais je remercie mon président de ce qu'il a fait pour notre beau stade. Je suis très émue. Oh, Japoma, là-bas c'est la magie. Je ne sais même pas si on peut encore donner 100 ans de vie à ce papa. Le stade de Japoma, c'est la magie. Je suis trop fière. Oui, d'être capable. Entendu. It's another great moment. I'm sure some of you listened to the voices and were like, ah, this could be this person. Now is the time to confirm if you were right or wrong. And so we'll begin right away with the first theme song. Those who produced this, they will definitely start performing now and we will enjoy. And we remind our viewers, Valérie, that it's the end for the vote. So don't waste your time casting your vote anymore. Le vote est terminé. Maintenant, nous allons apprécier plus sereinement, la prestation des différents artistes qui nous proposent des hymnes. Alors, nous commençons par le tout premier. On ne donne toujours pas les noms. Hein. Non. Vous regardez. Et on se retrouve tout de suite, mesdames, messieurs.
jumping up to the side from east to west. To the North Africa, we welcome you. We love you, we thank you, we invite you. Bienvenue au Cameroun, à Yaoundé. Applause, ladies and gentlemen. Can we give them another round of applause, please? To the Pitimid, it's a festive evening, and maybe this could be, it could, listen to what I'm saying, it could be the theme song, we never know. Right away, let's go watch and enjoy the second performance, the second theme song in contest. Who are they? Let's discover together. Notre pays, célébrons la jeunesse, le football qui nous unit. On a le corps et le savoir, enough to shine like a star. Strong as a rock, ensemble on est plus fort, libre comme l'air au nord. Force et courage, allez, allez, ça va payer. Allez, allez, force et courage, allez, allez, et on va gagner. On va jouer, s'amuser, on jouer, s'amuser, on va se jailler, on va se jailler. Si tu l'aimes, oh, on vient pour jouer. From north to south, from north to south, east to west, yeah. Out ahead, we gonna shine. Allez, allez.
s'amuser. On vient pour jouer et s'amuser. On vient pour jouer et s'amuser. C'est Dani à la table. Dis-moi si tu es prêt. On est venu pour jouer. Le choix sera difficile. Le choix sera difficile. Merci. Et maintenant, nous passons à la troisième proposition. La troisième proposition d'hymne. Écoutons attentivement cette troisième proposition, troisième et dernière proposition, avant de rencontrer dans quelques instants le président du jury pour qu'il nous dise comment il va s'en sortir. Cela ne s'annonce pas facile. Mesdames, messieurs, troisième proposition et on se retrouve dans quelques instants. We're gonna celebrate. We're gonna be together.
Valerie, you said it. It's going to be a tough one for the jury to decide who gets this home, because I think they are all good. trois hymnes que vous avez écoutés préalablement, maintenant que vous venez de découvrir à travers la prestation artistique des groupes qui ont fait ces propositions. Il faut dire qu'il y avait 100 hymnes hein, qui ont été proposés au jury. A huge number. Un très grand nombre. Mais maintenant, nous allons inviter à nous retrouver ici le président du jury de l'hymne. Il s'agit du professeur Charles Binam Bikoy. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Charles Binam Bikoy, qui est professeur des universités, mais il est actuellement administrateur et secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, le Cerdotola. Monsieur Charles Binam Bikoy, sous vos ovations encore, mesdames, messieurs, il vient pour vous expliquer et vous dire avec qui il a travaillé. Monsieur le Président, vous avez la parole. Permettez-moi de vous arranger ce microphone. Et maintenant, nous vous écoutons, professeur. Je vous remercie, monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Cameroun 2021. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le gouverneur de la région du centre, mesdames et messieurs, chers collègues, membres du jury. Bien que s'étant déroulé dans une ambiance tout à la fois conviviale, sereine et enthousiaste, je voudrais vous dire que les travaux du jury de sélection de l'hymne officiel de la CAN Total Cameroun 2021 ne furent pas un long fleuve tranquille. L'exercice était complexe, délicat et exigeant. Fort heureusement, il a été mené dans la plus parfaite collégialité et dans une solidarité sans faille, nourrie aux deux sources de la rigueur et du professionnalisme. Ce qui nous autorise à présenter ce soir les résultats obtenus comme le fruit d'un ouvrage sérieux, objectif, consensuel. Consensuel d'abord, par ce que le jury s'est approprié tout l'arsenal des textes constitutifs mis en place pour guider, éclairer, accompagner et encadrer le concours. Consensuel ensuite par l'élaboration et l'adoption de la méthodologie de travail, une méthodologie fort documentée, autant qu'elle était adossée sur l'expérience et l'expertise des éminentes personnalités participantes, ce qui a produit une robuste grille d'évaluation. Comme vous le savez, la grille d'évaluation, ce précieux outil, est l'un des plus fréquemment utilisés pour réaliser des tâches complexes. La grille d'évaluation permet en effet de porter un jugement sur la qualité d'une production ou d'un produit, l'accomplissement d'une prestation ou d'un processus qui ne saurait être jugé tout simplement bon ou mauvais. Tel est précisément le cas dans l'analyse et la critique des œuvres musicales. Au regard des objectifs assignés au jury, la grille d'évaluation a permis de définir les critères de qualité recherchés et de choisir une échelle cohérente pour cibler et cerner le meilleur dans chaque offre soumise à l'appréciation. C'était là le moyen sûr d'objectiver
la subjectivité de chaque juge. Notre grille comporte ainsi 8 critères auxquels ont été affectées des pondérations allant de 10 à 20 sur un total de 100 points, à savoir 20 points pour la mélodie, 15 points pour le rythme, 15 points pour le rapport avec le football et la capacité de galvanisation, d'électrisation, la mobilisation de l'intérêt et de l'attention, 10 points pour le texte, 10 points pour l'originalité de l'œuvre, 10 points pour l'harmonie, 10 points pour le caractère universel de l'œuvre, 10 points enfin pour la contribution à la promotion de l'image de marque du pays d'accueil, le Cameroun. L'évaluation proprement dite s'est déroulée de la manière suivante en séance plénière. Tout s'est fait en séance plénière en présence de tous les membres du jury. Premièrement, la lecture publique à haute et intelligible voix du code d'anonymat de l'œuvre. Deuxièmement, le dévoilement du dossier physique et la vérification des pièces produites au regard des dispositions du règlement spécial du concours. Troisièmement, la vérification de la durée du support audio de l'œuvre, ensemble a cappella et instrumental, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement spécial. Quatrièmement, une première écoute de la version audio de l'œuvre. Cinquièmement, la lecture du texte de l'œuvre. Sixièmement, une deuxième écoute de la version audio de l'œuvre. Septièmement, la notation individuelle et confidentielle par chaque membre du jury. Huitièmement, enfin, communication à haute voix par chacun de la note attribuée. Au total, comme vous le savez déjà, 100 dossiers ont été passés en revue. À l'issue de leur examen, 21 ont reçu une moyenne pondérée au moins égale à 50 sur 100 points. À leur tour, ces 21 propositions ont été soumises à une seconde phase d'examen qui a dégagé les 9 dossiers les mieux placés, desquels ont émergé les 3 œuvres par le jury jugées les plus représentatives des attentes en vue du choix ultime de ce qui sera l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Ces 3 œuvres sont les suivantes dans leur codification d'anonymat. En premier, BB51. En second, BB116. En troisième, le BB54. Mesdames et messieurs, ce soir, vous tous, et avec vous tous ici présents, comme avec les internautes, les moyennes attribuées par le jury viennent de subir un coefficient de correction à la suite du vote populaire direct par Internet qui vient de se tenir. Ainsi, chaque note initiale, la note du jury, reçoit-elle une bonification par l'ajout de la moyenne sur 20 du vote direct. Le classement final se présente désormais comme suit. BB51, qui a été la prestation C, 73,59 points, notation du jury. Bonus du vote populaire sur 20, 12,72 points, soit au total 86,31 points sur 100. Il faut noter ici que ce BB51 a reçu 862 votes populaires par des internautes sur un total de 2077 votes exprimés. En second lieu, nous avons le BB116, qui a été la prestation A,
73,06 selon le jury, bonifié de 4,94 points sur 20 par le vote populaire, ce qui donne un total de 78 points, avec donc 335 votes sur 2077 votants par Internet, des internautes. Enfin, troisième BB54, prestation B, que vous avez suivi, 71,71 points de la part du jury, bonifié de 13 points sur 20 par le vote populaire, ce qui donne 84,71 points, avec 880 votes sur 2077 votes d'internautes. Plaise dès lors, tout anonymat levé, que soit officiellement déclaré. Premier, deuxième accessite, je veux dire, deuxième accessite avec 78 points sur 100, Seba George. Premier accessite avec 84,71 points sur 100, Bethel Grace. Et enfin, le premier prix, avec 86,31 points sur 100, le collectif Africa Smile. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, l'histoire retiendra que le jury de sélection de l'hymne de la CAN 2021 était composé de 18 personnalités choisies parmi les mélomanes avertis et les acteurs accomplis du domaine de l'art musical, de la musicologie et de la chanson au Cameroun. C'est donc la joie dans l'âme qu'en leur nom, en ma qualité de président du jury, je vous remercie de votre attention. Thank you so much. I was the president of the jury. For the theme song, le président du jury, Professor Charles Binambikoy. And Valerie, we now have an idea. Africa Smile. Yes. Pour l'hymne proposé pour cette 33e édition, l'hymne proposé à la CAF, definitely. Africa Smile. Pour vous, peut-être que vous, comme on n'a pas donné les noms, c'est le groupe avec les petits enfants tout à l'heure. Yes. And we need to say something, Valerie. Oui. Since it's just a proposal, we heard backstage from some really confidential people that there are some corrections that could be done on the work that we have seen today. So don't be surprised if at the end you have a little correction here and there. This will be sent to CAF and some work will be done maybe or just accepted like that. Oui, mesdames, messieurs, ce que vous avez découvert ce soir n'est qu'un travail qui pourrait encore être amélioré. Yeah. Les jeunes d'Africa Smile vont retourner en studio, travailler encore et nous proposer une version définitive qui sera transmise à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Confédération africaine de football. Mesdames, messieurs, le professeur Charles Binambikoy vous a parlé du travail de son jury. Vous n'ayez une idée plus précise en regardant comment ce jury a travaillé pendant leur séance plénière. On va regarder cela et on se retrouve dans quelques petits instants, mesdames, messieurs. Thank you.
Thank you, ladies and gentlemen. And if you're just joining us, it's this special program to unveil the official theme song and mascot, which could probably or possibly be used for the upcoming AFCON to be hosted by our country, Cameroon. And the video you were just watching, showing the members, the different members of jury for the theme song. A great jury there, different high personalities and professionals as far as music is concerned. And so right now, Valerie, we're going to be looking at those who worked for the jury of the mascot. We have as president, Professor Jean Tabi Manga. Jean Tabi Manga, qui lui aussi est un professeur des universités. Il est actuellement le directeur général du Centre africain des études olympiques. Sous vos ovations, accueillons le professeur Jean Tabi Manga qui a travaillé, quant à lui, sur le choix de la mascotte que nous allons découvrir tout à l'heure. Le choix a été porté sur qui? Et vous le savez déjà, mesdames, messieurs, la mascotte s'appellera Mola. Mola. La mascotte s'appellera Mola. Mola. Et on va découvrir qui a été, quelle est la mascotte qui a été choisie. Il y avait trois mascottes, X, Y et Z. Et le professeur Jean Tabi Manga va nous dire un petit peu comment son jury a travaillé et nous présenter le résultat auquel ils sont parvenus. Nous allons l'écouter très attentivement et découvrir quel est le résultat. Professeur Jean Tabi Manga, sous vos ovations encore une fois, il nous explique comment ils ont travaillé et il nous présente le résultat de ce travail. Trois mascottes retenues sur 35 au total proposées et nous allons découvrir tout de suite qui sera Mola de la 33e édition. Professeur, nous vous écoutons. Excellence, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021. Excellence, Madame et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Monsieur le vice-président du COCAN 2021, Monsieur le directeur du tournoi de la CAN Total Cameroun 2021, chers membres des jurys et des secrétariats techniques de la mascotte et de l'hymne de la CAN 2021, distinguées personnalités en vos rangs, titres, grades respectifs. Mesdames et messieurs, avant de vous dévoiler les résultats à ma disposition maintenant, lié à la sélection de la meilleure mascotte pour la CAN Total Cameroun 2021, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, vous m'accorderez que je puisse très brièvement vous dire dans quelle atmosphère
nous avons travaillé. Quelle a été la méthodologie que nous avons suivie dans le cadre de notre jury? Quelle était aussi la critériologie que nous avons consensuellement arrêtée au titre de notre jury et des guidances de notre travail et de notre inspiration? En effet, comme vous le savez, Monsieur le ministre, du 26 avril au 4 mai 2021, les travaux du jury du concours artistique national pour la sélection de la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations CONCACAF Total Cameroun 2021 se sont déroulés dans la magnifique salle de presse du Palais polyvalent des sports. Dans cette salle, Monsieur le ministre, j'ai eu le bonheur d'accueillir d'éminentes personnalités aux qualités et aux expertises variés. Ils étaient graphistes, mosaïstes, sculpteurs, peintres, marionnettistes, critiques d'art, experts en histoire de l'art, cinéastes, professeurs des universités, dessinateurs et praticien, doté, comme je viens de le dire, d'une immense expérience avérée en matière de conception des mascottes et d'appréciation. L'émission était claire: examiner et évaluer les offres reçues, sélectionner et proposer au président du CONCACAF 2021 une shortlist des 3 meilleures offres et, le cas échéant, proposer un classement par ordre de mérite, dresser le procès-verbal de l'ensemble de ces opérations et adresser à Monsieur le ministre président du CONCACAF un rapport global exhaustif d'activités auxquelles auront été jointes les comptes rendus, le procès-verbal et tous les autres documents utile. L'atmosphère de travail était sereine, empreinte d'amitié, de respect mutuel et de convivialité. Mais les mots d'ordre étaient les suivants: professionnalisme, impartialité et discrétion. Nous avons arrêté consensuellement 8 critères en termes d'évaluation et on s'est donné de façon spécifique un critère particulier que nous avons appelé catégorie. Il s'agissait d'examiner toutes ces propositions en fonction du critère suivant: est-elle mascottisable?
Vous me pardonnerez le néologisme et vous comprendrez que le président du jury, étant linguiste et sensible à la lexicologie, j'ai pu accepter ce néologisme. Ensuite, venaient les critères suivants et qui sont pondérés sur un total de 20 points. Originalité de l'œuvre, 3 points. Fonctionnalité, 2 points. Adaptabilité, 2 points. Plasticité, 2 points. Message véhiculé, 4 points. Fun, 3 points. Esthétique, 4 points. Sur le plan de la méthodologie du travail, nous avons procédé en 3 étapes. Nous avons d'abord sélectionné les 10 œuvres qui nous semblaient répondre à l'ensemble de nos critères. Puis une deuxième étape, sur les 10, nous avons sélectionné 6. Et enfin, en troisième étape, sur les 6, nous avons identifié les 3 qui vous ont été tout à l'heure présentés. Naturellement, des ajustements et des modifications prévues par le règlement spécial du concours ont été opérées et ont permis d'obtenir les œuvres qui vous ont été tout à l'heure présentées pour appréciation et vote. Il est important de souligner à cette étape-ci que le projet de mascotte finalement retenu est un produit 1. Du vote du jury. 2. Du vote du public. Et comme l'a dit le ministre, la validation finale de la CAF interviendra par la suite. Il m'est agréable, monsieur le ministre, et je vous remercie en toute amitié, que vous ayez marqué votre accord sur la proposition du nom de baptême de la mascotte officielle qui va accompagner et rythmer la CAN Total Cameroun 2021. Ce nom, vous le savez, c'est Mola. Pourquoi Mola? Mola est un nom que l'on rencontre ordinairement dans les régions du littoral et du sud-ouest. À un premier degré de lecture, Mola dénote une relation parentale. Mais par la suite, du fait des dégradations sémantiques et des métaphores, Mola en arrive à désigner ordinairement le frère, l'ami, le camarade, le copain, le voisin qui est assis à côté de vous dans les gradins du stade, partage les mêmes émotions, les mêmes joies et les mêmes transport. Mais, monsieur le ministre, j'aimerais aussi vous dire que dans la logique de la symbologie, à un deuxième degré, Mola signifie la volonté, l'aspiration des Camerounais à développer
le vivre ensemble. Le vivre ensemble dans l'harmonie des différences culturelles globalement assumées dans la tolérance. J'en arrive maintenant, Monsieur le ministre, aux propositions des résultats. Ainsi que je vous l'ai dit, c'est une combinaison. Une combinaison de la moyenne obtenue à l'issue de l'analyse du jury sur 20 et la note des internautes sur 20 également. Le total est sur 40 points. Alors, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le jury, après avoir analysé de façon critique et appréciative les différentes propositions, les 35 propositions, le jury, après avoir pris en compte la note des internautes, le jury, après délibération, propose le classement suivant. Premier, le projet côté Z, qui obtient une moyenne de 22 sur 40. Et il s'agit, Monsieur le ministre, puisque nous sommes dans une séance de dévoilement, je vais donc dévoiler les noms. Il s'agit du projet de Monsieur Fokua Félix. Deuxième, c'est la mascotte côté Y. La mascotte côté Y obtient donc une moyenne de 21,67 sur 40. Il s'agit du projet de Dissake Brian Thomas. Troisième, c'est la mascotte côté X avec une moyenne de 17,9. Il s'agit donc du projet de M. Mbong Mbadouet Ruffin Valérie. Voilà, Monsieur le ministre, les résultats attendus, mais il y a un souhait. Il y a un souhait du jury. Le jury souhaite que la mascotte Mola puisse enflammer les imaginaires des Camerounais durant toute la CAN 2021. Le jury souhaite que Mola puisse effectivement accompagner les Camerounais dans leur enthousiasme et leur engagement et que finalement qu'ils portent les lions indomptables à la victoire, et cela, bien sûr,
et vous comprendrez mon clin d'œil dans le respect des valeurs olympiques. Je vous remercie pour votre aimable attention. The president of the jury for the mascot, Professor Jean Tabi Manga, and we now have an idea of which mascot Valérie could be. On va demander à notre réalisateur Robert Ecoucolet de nous proposer à nouveau la mascotte qui est sélectionnée ce soir et qui sera proposée à la Confédération africaine de football. Cela peut apparaître dans un instant sur l'écran. And there we go, that's the mascot. Voilà la mascotte. Sous vos ovations, mesdames, messieurs. Voilà la mascotte qui sera proposée. But we will have to wait for CAF to validate. We insist on that. We'll have to wait for CAF to validate. Valérie, we've talked about Mola. The eminent professor has explained a little bit what Mola means. When you come to Cameroon, you understand. And now you want to take us to the southwest region of Cameroon to know exactly what is happening there when they say Mola. Yes, we are going to talk about all about Mola. Nous allons découvrir. Vous savez, Mola, comme a dit le président du jury tout à l'heure, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qu'on rencontre et parfois qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le nom. Mais il faut savoir aussi que c'est un nom qui nous vient du sud-ouest, de la culture Bakweri. Et nous allons découvrir ce qui se cache derrière Mola. Et c'est un reportage de Henry McCauley de CRTV Sud-Ouest. On se retrouve dans quelques instants, mesdames, messieurs. Mola is a title used by the Bakweri people of Fako Division in the southwest region of Cameroon. The title Mola, which is used to designate a very respectable uncle in the Mokwe land, is as old as the Mokwe language itself. Mola implies in Bakweri the dignity of a personality of a male. That is what Mola implies. So when you have dignity, you keep your respect, people have respect for you. You are eminent in the community, you are resourceful in the community, that's when you are being called Mola. The meaning of Mola in Bakweri culture means uncle. Say for example, Mokake Elalu was born of Elalandiwe, but Elalandiwe had his own relatives close to him. So as a grandchild, I called my father's relative Mola. Today, the title Mola has evolved. As time continually evolved, a few things began changing. So you see someone who is respectful, someone with some particular kind of honor and dignity. You cannot call that man by name. You call him Mola Ne. So some of our people of the olden days had these relations with these living together brothers from other areas, and they referred to them as Mola. Apart from being a title, Mola is also an exclamation that usually goes with luck or good omen. And when something out of the ordinary happens, that you don't expect to happen. For example, a tree has fallen on the kitchen. Three boys were in there and none of them was wounded. And somebody tells you, this is what has happened. You say, Mola Joke. So how would the Bakweri people feel if the title Mola is given to a mascot for a big event or ceremony? Let's say the Africa Cup of Nations. I think it's a great honor for the Bakweri people, and they will feel very elated for something like that. Like you rightly said, an honor to give the mascot the name Mola. I'm sure everybody around here will be happy. You know, Mola, on the other hand, is someone who is very helpful and there for you when mom and dad is not there. So if it is given that name, it is not as a result of blood relationship, but because of social relationship. Mola wants a title used to show respect
to an uncle is gradually growing out of that confine to become a title for an important personality or somebody of integrity. Salut Max Alain Gradel, la CAN au Cameroun promet. Comme vous le savez, c'est la plus belle compétition continentale, dont l'impact médiatique ira au-delà de l'Afrique. La Côte d'Ivoire jouera la gagne. Merci au Cameroun, pays organisateur. À très bientôt. Ciao. Ici Khalifa Koulibaly depuis Nantes. Un bonsoir à tous les Cameroun et l'Afrique de football. La CAN qui se prépare avec 24 équipes s'annonce serrée et belle. Nous, le Mali, on va essayer de réaliser de grandes performances. Merci au Cameroun pour les stades. On va se régaler. À bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. C'est André Ayou. On sait tous que la CAN qui va se dérouler au Cameroun très bientôt est une CAN très importante pour le continent, pour le pays. Un pays qui est un pays de football. Nous, on est très, très heureux d'y être. Je pense que ça va être une CAN très disputée. Toutes les meilleures équipes, toutes les grandes d'Afrique, ils y sont. Alors, voilà, ça sera une CAN très attendue. On sait qu'il y a des nouveaux stades. On sait que tout le pays attend cette CAN. Alors, on est aussi impatients. Je suis très content. Et puis, j'espère que qu'on y sera tous et qu'il y aura une belle fête. Ça sera une fête du foot dans un pays de football. Voilà. Toute l'Afrique attend. C'est la plus grande compétition d'Afrique. Salut, c'est Javigno. Je salue tout le peuple camerounais. Je suis très content de savoir que la prochaine CAN se déroule chez vous. Que le meilleur gagne et j'espère que le meilleur, ce sera la Côte d'Ivoire. À bientôt. Hello Cameroon, hello Africa. The African Nations Cup of Football in Cameroon will be a very big event. This competition is very important because we will mobilize a lot of attention in Cameroon and in whole of Africa. I'm really looking forward to that competition, and as a member and a player of the Indomitable Alliance, and I think I can speak for the whole team, we will give everything to keep that trophy in our country and to celebrate it at the end of this competition with every Cameroonian around the world. See you soon, Cameroon. On est ensemble et à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour mes frères Camerounais, c'est Karim Agui, ancien capitaine de la sélection tunisienne. J'espère tout d'abord que vous allez bien, malgré la pandémie et cette période très difficile. Je vous parle depuis la Tunisie et j'aimerais bien par cette vidéo vous envoyer ce mot d'encouragement et soutien pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le continent attend cet événement très important pour nous tous Africains. On sait que la période est très difficile. Le Covid a ralenti les travaux dans les stades. Mais aujourd'hui, le Cameroun est prêt à accueillir l'Afrique chez lui. Grâce au courage et à la volonté des Camerounais. Nous sommes fiers de vous. Bon courage à l'organisation. Vive l'Afrique, vive la CAN. Karim Agui. Le parfum de CAN que nous vous avons proposé tout au long de cette soirée est en train de s'achever. Mesdames, Messieurs, nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous, ces moments où vous avez découvert aujourd'hui quelles sont les propositions du Cameroun à la Confédération africaine de football en termes de mascotte et d'hymne pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille, vous le savez déjà, à partir du 9 janvier 2022 et nous serons ensemble jusqu'au
6 février. Les femmes, il paraît que les femmes ne regardent pas le foot, mais je constate que vous êtes très. You know, when you are a Cameroonian, Valerie, I don't think we have to talk about gender here. We all love football. Et il y a aucun doute, le Cameroun va gagner. And of course, Cameroon will definitely win this. And of course, ladies and gentlemen, you understand we've come to the end of this special program, AFCON on the trail. On va saluer ceux qui nous regardaient à travers Zoom. Hein. Il y en a eu beaucoup. Ils ont été nombreux à nous regarder à travers Zoom. Ils nous ont regardés sur les différentes plateformes de la CRTV. La CRTV qui a déployé l'équipe des grands jours. La CRTV qui est le producteur officiel du signal international pour cette compétition sous la houlette du ministère de la Communication, qui est notre patron et qui est bien évidemment présent dans cette salle. Nous avons affaire à nous préparer, à travailler encore pour que nous portions tous très haut le nom du Cameroun. Vous avez été accompagnés tout au long de cette soirée par cet orchestre, le Arusa Band, orchestre de Arusa Band Music and Entertainment. 30 musiciens, applaudissez pour ces jeunes qui vous ont accompagné sous la houlette du chef d'orchestre Thierry Sandio, qui était là pour guider et vous apporter toutes ces sonorités. Pour terminer, pourquoi ne pas inviter ceux qui vont porter d'autres choix. Africa Smile, c'est l'hymne que nous envoyons à la Confédération africaine de football. Ils reviennent pour le show final avec tous ceux qui ont compéti. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. And hopefully to meet you very soon in less than a month on the 25th of June for the ceremony for the draws. Yes. Le 25 juin pour le tirage au sort ici au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci et à très très bientôt. Thank you. Gambia, Ghana, Nigeria, Zimbabwe, Malawi, Ethiopia, Sierra Leone. Welcome to Africa in miniature. Cape Guinea-Bissau, Benin, Togo, Guinea-Equatorial, Yenganiga. Africa! I've come to tell 2021. Here we are. Stand up and enjoy. Ballon, c'est si